to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Savez-vous quelle heure il est ? Oui, c'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Révélons maintenant l'identité de nos deux premiers compétiteurs. D'un côté, nous avons un dresseur recommandé par le maître lui-même, Challenger Para. De l'autre, le tsunami Lapis-Lazuli, Donna, l'experte en type O. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre combat au stade de Skifor. Constate que tu as bien évolué depuis. Décidément, notre maître bien-aimé a l'œil pour déceler les jeunes dresseurs talentueux. Toutefois, tu es encore loin d'avoir l'étoffe d'un maître, contrairement à moi. Alors, cette fois, je ne ferai pas l'erreur de te m'estimer. Avec la puissance du Dynamax, moi, Donna, vais mettre Darak au tapis et remporter le titre de maître en garde. En garde. Allez, c'est parti contre Donna. Sarmurail. Contre Salarsen. Overdrive. Ça devrait être assez rapide contre elle. Un en moins. On continue. Overdrive. Tunnelier. Attention. Quand même. C'est pas grave. On va faire un truc, on va faire sac, rappel, histoire qu'il puisse gagner l'XP quand même. Crochet, attention, ça passe. Tambour battant. C'est bon. Poisson roi. Tambour battant. Ça dégage également. Pour moi, ça se passe. Béquipan. Son dernier. Elle dit non, Max, un béquipan. Crachant. Non, il doit en rester après. Bon, on se permet de spammer. Je sais pas si on est soigné par contre entre chaque tour. C'est vrai que je spamme un petit peu trop. Feuille magique. Parfait. Torgamor. Est-ce le Dynamax ou est-ce le Gigamax?
Gigamax. La musique est épique. Il est beau en mode Gigamax. Eh, vas-y Torga, vas-y Gorithmic. Dynamax. Attention. Ça passe. Salut Torgamore. Le premier, c'est fait. Et c'est pas qui l'emporte. Quel combat! Même la puissance des vagues de Donna n'a pas pu arrêter notre challenger. Je m'incline. Même mon partenaire Dynamaxé n'a pas fait le poids face à ton Pokémon. J'aurais dû prendre Sonia plus au sérieux quand elle chantait ses louanges. Cela m'apprendra. Toute la région a les yeux rivés sur toi. Puisque tu m'as vaincu, je compte sur toi pour atteindre le sommet à ma place. C'est la fin de ce premier round. Restez avec nous pour ne rien manquer du prochain combat. Alors, attendez. On affronte qui, du coup? On va affronter Alistair. Ok, Alistair, c'est Spectre. Ok, donc on va affronter Alistair. Contre Alistair, je crois, de mémoire, qu'on utilisait Ramolos. C'est reparti! Oula. Mesdames et messieurs, bienvenue au second round du tournoi des champions. Quatre dresseurs sont encore en compétition. Lequel d'entre eux ils seront en finale? Après avoir vaincu ce challenger Travis suite à un coup de théâtre mémorable, le challenger para a donc continué sur sa lancée en arrachant la victoire à Donna dans le premier round du tournoi des champions. Son prochain adversaire, Alistair, le roi du silence. Bonjour, tu as l'air en forme. Je me souviens de toi. De tous les challengers, tu étais le plus fort, de loin. Bien, battons-nous. Ok, c'est reparti contre Alistair. On l'a battu il n'y a pas si longtemps que ça, Alistair. Ok, c'est parti. Noctunoir. Faites que je me sois pas planté. Faites que je me sois pas planté. Psycho. Point ombre, attention. Je me suis fail. Tant pis. Entrave.
Ok. Baisse-toi dans ta confiance, s'il te plaît. Ok, donc tu noires, ça dégage. Luculabre. Elle... On l'a jamais battu. Luculabre, attendez, il est pas feu aussi. Chauffolet. Il est type feu. On a des guérisons si besoin, pas de panique, on a tout ce qu'il faut. À quoi brèche? Mange. Plaquage. Peut aussi paralyser. Non. Toi, on t'a déjà battu. Ça fait mal. Giga sans vue, ça fait très mal. Ouais, enfin, tu te calmes, quoi. Ok, donc ça, c'est l'évolution du Coralion de Galar. Je peux rien faire. Je vois pas trop tout ce que je peux faire. Mais il avait pas déjà lui.
je sais plus. On va faire tambour battant. Ça passe, parfait. Tant mieux. Ectoplasma. Le truc c'est que... Son ectoplasma, on l'a déjà battu. Gigamasque. Oui, Gigamasque. Dynamasque et... Oui, Dynamasque. Dynamax. Pardon. C'est pas masque. Je trouve pas beau Ectoplasma. Autant la méga évolution d'Ectoplasma, je la trouve super belle. Autant la giga évolution. On peut envoyer. On va envoyer Ramoulos au casse-pipe. Ramoulos s'en fout honnêtement. Toxinomax. Et là faut que ça passe. Putain, mais j'ai fait pire en max, mais je... Si on perd là-dessus... N'importe quoi. C'est clairement ce qu'on appelle gâcher un Rapidmax. Il est trop rapide avec ton plasma.
Je veux pas que ce soit super efficace en fait. Je m'en fous que ce soit super efficace. Baisse plus sa vitesse. Parce que derrière avec l'illumination il est super efficace. Faut juste faire en sorte qu'il arrive à taper avant. Ok, le problème c'est que là, Kalinos meurt, on a perdu. Putain. Et je sais pas si je suis plus rapide. On va tenter ça, mais ça m'étonnerait que ça passe, honnêtement. Ok. S'il y a un coup critique, on a perdu. Sinon... Putain. Oh putain, c'était dur. Oh shit. Et le Challenger Pad remporte sa deuxième rencontre. Waouh. Quelle force. Bonne chance pour la suite. Je t'admire beaucoup. Qui sera ton prochain adversaire? Ah, Roy, le champion draconien ou Peterson? Le champion qui refuse d'utiliser le Dynamax. Bah, ce sera Roy. Bah oui. Pas logique. Y a pas d'intérêt qu'on réaffronte Peterson, surtout si il Dynamax pas. Ne sois pas violente comme ça, Sorette. Pas, je suis tellement désolé. Moi qui comptais sur mon frérot pour ranger l'honneur familial, voilà qu'il se prend une raclée face à Roy. Tu t'es fait battre en monde 2. Tout le monde va penser qu'on est des nazes. Non, mais tu ne comprends pas. Roy, il rigole pas. Il est super balèze, ce gars. Et c'est pas tout le monde qui est capable de lui faire face sans utiliser le Dynamax. Je pense que le public l'a bien compris. Je sais bien, mais c'est juste pour ça que je voulais que tu sois le vainqueur. Tu t'es bien battu. T'aurais dû gagner. Du coup, il reste plus que toi, pas. T'as intérêt à gagner. J'espère qu'on t'a pas trop déconcentré avant ton combat. Roy t'attend sur le terrain. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Ok. Donc il envoie des types dragons. Dragon. Je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Ténèbres. Putain. Ténèbres ou psy? J'ai un doute. On va tenter comme ça.
Allez. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin. Le round final du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes sera l'insigne honneur d'affronter notre maître en titre, Tarak l'invaincu? Est-ce qu'il s'agira de notre star montante Challenger Para ou s'agira-t-il du rival de toujours de maître Tarak, le champion considéré du type dragon, Roy, l'adversaire draconien? Waouh, t'as réussi à arriver jusqu'ici, bravo. Décidément, Tarak a eu le flair quand il a décidé de te recommander. Avant d'aller le terrasser, il faut d'abord que je m'occupe de son petit protégé, c'est-à-dire toi. Tu m'auras battu une fois, mais pas deux. J'ai gravement traîné mon équipe au 1 contre 1 depuis notre dernier combat. Donc, si tu penses faire face au même Roy qu'avant, tu te mets le doigt dans l'œil. Laisse tomber, tu vas morfler. Je crois qu'on l'avait battu aussi avec pas mal d'overdrive. Ok. Chartor est pas de type dragon. Peut-être. Torgamorgo. C'est rien. Aquabrèche. Toujours plus. Vous voyez qu'elle a trop de rappels. Je vous rappelle que derrière on est le champion. Pas grave, endors-moi si tu veux, ça te fait plaisir. Ok, au moins on revient avec un Torgamor full vie. Ok, par contre, nous, on dort. Ok, ok, on va envoyer Ramolos. Vu qu'il a des attaques super efficaces, puis s'il meurt, entre guillemets, c'est celui. Enfin, c'est le Pokémon auquel je m'en fous le plus. Et puis il lave. Vibre à quoi? Bâillement. Le relou. J'aurais dû changer. J'étais bête. Oh, déjà qu'elle est une guérison. Ouais. Pas le bon point de faire ça. Je vous le dis clairement.
Ok, ça va se faire en 2 tours. Donc, ce qui fait que on peut tenter un aqua. Faites qu'Aquabrèche marche. Si Aquabrèche le tue, c'est bon. Sinon, on est dans la. Ok, ça passe. Je suis dans la merde. Muplodocus, non. On continue. Tombe roche, ça devrait passer. Danse plus, attention. Parfait, Muplodocus, ça dégage. Libégon. On l'a déjà affronté, j'ai même pas lu. Attention. Oui, normal. Ok, sa vitesse. Faire croque-fort. Ouais, ça fait déjà un petit peu plus. Attention à séisme quand même. Quand même beaucoup de dégâts. Croque-fort. Ça devrait peut-être le tuer. Ça devrait le tuer. Pas du tout. Moi, ça me tue. Ok. Picor. Mon Dieu. Ok. Boumata. Je connais pas les types de ce Pokémon. Ok, c'est pas lui qui dynamax, je pense. Du moins. Son Boumata va faire très mal. Son Boumata va faire très mal. On va prendre Ramolos. Ok, il devrait pas exploser non plus. Il explose pas. Tombe roche. C'est
Ça passe. On refait ton brush au cas où. Parfait. Lumata, ça dégage. Et enfin, son dernier. Tu auras le gong. Bon, on l'a déjà vu. C'est lui. C'est celui qui devient une espèce d'immeuble. Ça va être compliqué là. Stylé. On a pour 3 ans. Ok. Dracogriffe. Croquefort. On refait Croquefort même si on va mourir avant.
passer en dégâts purs, on n'avait pas le choix. Oh mon dieu. Je m'excuse, j'ai pas beaucoup parlé pendant la fin du fight, mais bon, j'étais très concentré à pas faire de bêtises. C'est Para qui remporte la victoire haut la main. Non. Haut la main, non. On s'était pourtant entraîné à Donf avec mon équipe, mais on était loin de se douter que vous deviendrez aussi balèze. Je suis encore jeune, mais franchement, ça me fait quelque chose de voir quelqu'un d'encore plus jeune que moi grandir aussi vite. T'as un super avenir qui t'attend, toi, c'est clair. Allez, va montrer à Tarak qui c'est le vrai maître maintenant. Et le gagnant de la finale du tournoi, c'est le champion des champions et le numéro 666, Challenger Para. Et maintenant, l'heure de vérité approche. Para aura-t-il raison de Tarak? Le maître invaincu qui l'a recommandé? Nous aurons la réponse très prochainement. Salut Para, c'est enfin la grande finale. Ça va? Tu stresses pas trop? Je suis venu pour t'encourager. Ou encourager Tarak. Je suis pas encore sûr. C'est pas facile pour moi de choisir entre mon frangin et mon rival. Mais ouais, t'as raison. Pareil, moi, on a partagé tant de choses depuis qu'on a quitté Paddockson. Je dois encourager. Si je dois encourager quelqu'un, c'est bien lui. Bon courage contre mon frangin. Si quelqu'un a une chance de le vaincre, c'est bien toi. Allez, c'est parti pour la finale de la ligue. Ah, la tension sur le terrain qui contraste avec l'effervescence des gradins, j'adore ça. Mais oublions ça. Au-delà des chaleurs et des applaudissements, des clameurs et des applaudissements. C'est un mot qui existe, clameur. Tu m'as acclamé, oui, mais des clameurs, ok. Et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous. Ces pensées peuvent terrifier n'importe quel dresseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mes Pokémon trépignent d'impatience. Je suis Tarak, la vaincue. Es-tu prêt à affronter l'unique maître de Galar? J'espère que oui, car Dracaufeu, mon équipe et moi sommes prêts à écrasé. C'est parti. Ah, attendez, regardez l'écran. Qu'est-ce qui